stress. Je suis en stress, hein. Ok. Gryffondor, 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 Gryffondor. Pas besoin de choisir. Poussoufle. Attendez, sérieux là? Non mais quoi? Poussoufle. Mais vas-y, toi aussi. Tu es un très mauvais élève. Et Poussoufle, voilà, toi aussi. Mais attends, allez hop. Ouais, c'est comme ça, désolé. Attends, bon. j'ai un truc derrière moi là, mais ce serait pas Edwige. Non, salut. C'est Thibaut, bien sûr. Attends, et moi aussi j'ai. T'avais un dragon, toi. Ils sont tombés en 5 secondes, mais ils étaient là. Ah ouais, ouais. Attends. Vous voyez là. Les amis, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Swan, on va tester Star Wars. Ouais, ça va être une énorme dinguerie. Star Wars, la revanche des Sith. Exactement, vraiment, je suis trop impatient. Ouais, hein, voilà. Ça va être trop cool avec les sabres laser. Regardez, on a des sabres laser là. Ouais, regarde, moi aussi. Ziou, 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 ziou. Ça va être incroyable, je suis trop impatient. Bon, allez, sérieusement. Aujourd'hui, on va tester Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter. Hogwarts Legacy. C'est Legacy, Swan. Hogwarts Legacy. Du coup, en gros, c'est un nouveau jeu sur Harry Potter qui est sorti hier au moment où on fait la vidéo. Exactement, on est juste impatient de tester. Il est sur PS5, apparemment, ça va être une énorme dinguerie. Il va être trop bien. Donc, le concept, c'est qu'en fait, on va être un personnage dans l'univers d'Harry Potter, mais ça va pas être l'histoire d'Harry Potter qui va se passer. Ça, il faut bien le préciser. Mais du coup, ça va être hyper intéressant. Les amis, est-ce que vous avez jamais rêvé de vivre dans un open world avec le monde d'Harry Potter, avec la magie, avec les mystères, enfin tout le délire quoi avec Harry Potter? Là, on va le vivre en jeu vidéo, donc je suis juste méga impatient. Ça fait des jours que tout le monde attend ce jeu. Donc là, let's go, on va le tester ensemble. Okay, je pense qu'on va faire plein de parties parce que. Il a l'air juste trop bien. On s'est mis dans l'ambiance, hein. Donc Swan, toi tu es Swarry Peter. Et toi tu es Gron Grossier. Oh, ah ouais. Il rigole pas le Swan. Bon, juste avant Swan, un petit cours de botanique, hein. Vous prenez la mandragore. Oh, elle te ressemble. Sérieux. Reposez-la, reposez-la. Je reposez-la. Bon Swan, attends, je vais ouvrir mon livre. Bon, je pense qu'on va arrêter de faire des refs, hein, mais. Ouais. On va se calmer un peu. C'est doux, non? Non, il mange les potes. Raté, bon, t'es pas. On arrête les rêves pour aujourd'hui. On en fera dans les autres vidéos. Les amis, en tout cas, c'est parti. On commence, on va lancer le jeu. Attends, okay, je mets mon casque. Voilà. Ah oui, ouais. Ok, attention, hier avant de jouer, certaines personnes sont sur vous. Ok, les amis, ça commence. Oh. Ok, il y a l'ambiance et tout là, j'entends. Ah, il y a eu plein de. Oh, il y a God Simulator. Lecteur de menu. Désactivé. Appuyez sur touche L2 pour l'activer. Comment le désactiver? Ouais. Ah ouais. Okay. Attends, il est devenu. Ouais, désactivé. Désactivé. Alors attends. Donc ça, ah ouais, donc regardez tous les réglages qu'il y a. Bon voilà, ça montre déjà que le jeu, à mon avis. Voilà, c'est de la qualité. Bref, tout ça, c'est bon, c'est confirmé automatiquement, y a pas de problème. On joue sur le compte de Swan, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, juste avant que ça commence, les potes, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche aussi, bien sûr, la base. Cloche magique. Voilà, allez. On lit pas, mais on accepte. Voilà, on accepte. Oh, c'est quoi ça? Oh, récupérez vos récompenses associées à votre compte Harry Potter Fan Club. Ah oui, j'avais vu ça. Alors bon, je l'ai pas fait, j'ai oublié, j'avais pas trop le temps cette semaine. Mais il y a eu un événement sur le site où on pouvait faire en fait un test et gagner du coup des items. Et peut-être des récompenses exclusives, voilà. Bon. Intégrer votre identité du monde des sorciers, y compris votre baguette et votre maison à Hogwarts Legacy. Donc voilà, on peut gagner masque, crâne, bec, tenue d'élève qui soutient la maison. D'accord, ouais. Ok, d'accord, trop stylé, ouais. Bon bah écoute, faudra faire ça. Bah on peut pas se connecter pour l'instant du coup. Ouais, ouais, sélectionné du coup. Ouais. C'est X, Léo. Tu t'inviteras jamais à que ce soit X. Non mais la PS5, j'ai du mal. Ouais, pareil. Ok, bon moi je suis trop hype perso, hein. Ouais, là, pareil. J'attends que ça. Là c'est à peine visible, c'est bon, c'est bon. T'es sûr on met ça? Oui. Ok, moi je, c'est bon, j'écoute. Faut pas la mettre trop grande. Ok, ok, Captain Swan. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction... Sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, oui, devant cependant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fille à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année. Et la cérémonie de la répartition. Merci, bien à vous. Il nous a donné un tutoriel. Professeur Weasley, directrice adjointe. Swan, Weasley, ça trouverait pas quelque chose? Non. Non, ça ne réellement. Oui, je sais, Ron Weasley. Bah voilà. Donc en fait, Swan, l'histoire se passe 10 ans avant l'histoire qu'on connaît. Donc si ça se trouve, bah, c'était une ancêtre de Ron qui travaillait dans cet établissement. Tu comprends maintenant? D'accord. Sérieux, hein?
Swan, t'es censé avoir toutes les refs là, on doit être au taquet, il y a plein de trucs, je pense, il y a vraiment plein de refs. Allez, on lance le jeu, c'est parti. Oh, on peut personnaliser. Incroyable. Attends, on se met comment? Je suis curieux de voir tous les choix qu'il y a. Attends, on se met en run déjà. Wow, regarde-moi ça, attends. Oh. C'est hyper réaliste, hein. Oui, c'est très réaliste. Moi, Swan, c'est ton compte, du coup, on vérifie. Non. Vas-y, on. Non, attends. Qu'est-ce qu'on met? Ouais, en termes de personnalisation, on a tout ce qu'il faut. Plus un, plus un, plus un. Bon, Swan, vu que c'est toi, je te laisse choisir ton perso. Ok, voilà. Ok, alors. Oh, ça c'est bien. Mais il te ressemble pas, si? Si, il me ressemble. Ok. Alors, ensuite, forme du visage. Bah. Oh, attends. Voilà, comme ça. Mais pourquoi? Mais non, mais Swan. C'est toi, hein, je te signale. Hein. Bon, donc, d'accord. Là, tout de suite, c'est lui, ça. Là, voilà. Couleur de peau. Swan, n'oublie pas que c'est toi. Tu es censé. Je vois pas changement à couleur de peau. Bah si. Ah si, si. D'accord. Moi je vois l'âge. Et ça c'est comment? Vas-y, on est comme ça en vrai. Alors des lunettes. Évidemment. Ah bah oui. Lunettes. Attends, fais voir la troisième. C'est assez. Bah, c'est mamie ça. Ah mais c'est pas du tout tes lunettes, c'est une t-shirt. C'est là. Bah mais celle-là, elle est mitouée, ok. Bon, alors, tu ressembles un peu trop à. Bah c'est Soirée Peter après tout donc. On va se mettre. Comme ça c'est bien. Bah regardez toute coupe non? Ah je vais voir celle-là. Vas-y, descend. Est-ce qu'il y a chauve pour représenter? Attends, si il y a chauve. Regarde un peu. Ah, oui, il y a chauve. Non, on va pas faire ça. Ah, non, c'est bien ça pour ça, toi. Pas ça. Non. Non, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de possibilités, ça c'est vraiment cool. C'est bien ça pour toi. Ça c'est bien. C'est bien. Je te laisse choisir, soit c'est ton compte, alors, tu fais ce que tu veux. Oh, mais n'oublie pas que c'est ça, toi. C'est des, ça c'est des cicatrices. Fais voir. Ça, je me suis fait griffer par un garou. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a la cicatrice d'Harry? Alors, je n'ai pas l'impression. Non, elle n'y est pas. Alors vas-y, on va se mettre. Tu te mets une cicatrice carrément. Ouais, je me suis fait griffer. Grain de beauté et tache de rousseur. Bah, attends, en vrai, j'aime pas trop les grains de beauté. D'accord. Par contre, vraiment, c'est bien personnalisable et il y a pas trop de rêves à Harry. Tu vois là, ils auraient pu mettre la cicatrice, ils l'ont pas mis, mais je pense que c'est volontaire. Alors, la forme des sourcils qu'on ne voit pas. Bah normal, t'as vu ta coupe aussi, hein. Attends, couleur des yeux, c'est quoi? Attends, vas-y. Ah, je mets au... Ah oui, ça change. Ouais, c'est pour les éclaircir, quoi. Attends, bah moi j'ai tout marron, donc voilà. Très clair, tu veux dire. Alors, couleur des sourcils, bon, on va pas. Alors, et ça c'est quoi? Ton première voix. Ah ouais. Quelques toiles d'araignée et de la poussière, a de quoi s'inquiéter. Non. J'ai hâte d'aller à Préolard. Ok, attends, on va choisir ça. Mais si, ça commence pas. T'aimes pas la voix, toi, celle-là, il aime pas la voix. Ah, hauteur. Je suis encore à l'école. Ça fait du rire. Attends. Bah voilà, c'est ta taille, Swan. C'est quoi ça? Bah, Swan, mets-toi une petite taille. C'est... Bah, t'es. Ah, mais vas-y, attends. Il va se mettre gigantesque, Swan. Non, vas-y, attends. Ok. Alors, histoire. Un défi centré sur l'histoire avec un niveau minime. Défi de jeu pas très difficile. Normal, mais normal, c'est bon, on est pas trop nuls non plus. Non, mais non, normal, reste. Mais mon personnage. Bah, Soirée. Et notre nom de famille. Peter. Bah, Soirée Peter. Bon, vas-y, attends. Vas-y, go. Soirée Peter. Ouais, c'est bon. Terminé. Ok, ouais. Dortoir, sorcier, sorcière. Ouais, bah oui, du coup, bah toi, Swan, t'es une sorcière, non? Non, mais vas-y, commencez votre voyage. On profitait pour les dortoirs. Ouais, c'est ça. Allez hop, let's go. Alors, c'est parti. Alors, j'espère qu'on va pouvoir choisir notre maison. Il est là, le sorcier Swan. Sorcier Soirée. Oh. C'est trop stylé. Un poulet. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Professeur Fig, il en a parlé juste avant. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sentiers. Ah, t'es un chignon, je présume que vous avez pratiqué ce qu'on est. En effet, professeur. Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habiter aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, mais pourquoi j'ai un chignon? C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la fin. Oh, attends. C'est trop stylé. Eléazar. George. La cinématique est incroyable, je tiens à préciser. Description sibylline ne t'est pas. Un chignon. T'as mal choisi, du coup tes coupes. Voilà. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou. Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Oh, ok, faut en parler. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur.
Allons-y. Je vais griffer par un garou. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Oh, géant ! Pourquoi je me suis dit ça ? C'est soin, non ? C'est comme ça. Oh, la tête, bizarre, hein ? Bizarre, c'est... Il est bizarre. Il est pas forcément pas net, mais il a un secret. Il a un secret. Par contre, Swan, je tiens à dire, hein, les graphismes, le décor, l'ambiance... Du coup, il faut être rien, vu que... C'est du Harry Potter tout craché. Ouais. C'est super bien reproduit. C'est juste vraiment, c'est incroyable. Je trouve que c'est super bien fait. Déjà, rien que l'ambiance, là... Oh, stylé, stylé. On n'a pas les droits pour acheter la musique d'Harry Potter. C'est pas la musique d'Harry Potter ? Ben non. Ah bah orange. Mais je crois que c'est volontaire qu'il ait pas mis la musique d'Harry Potter. Parce que justement, en fait, ils veulent... ils mettent l'univers Harry Potter, mais c'est pas l'histoire, tu vois. Donc vraiment, ils évitent d'être affiliés à l'histoire. Ils veulent vraiment faire un truc différent, et ça, j'admire. Franchement, c'est cool. T'as vu, il y avait les baguettes magiques, il y avait celle de Voldemort. Oh ! C'est trop stylé, pas vraiment l'ambiance et tout. Oh, avec le hibou, hein, qui tient bien. Il y a des bonnes potes. C'était juste. Sur les visages et tout, c'est tellement réaliste. Ouais. Et qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Oh. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Soirée Peter. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Oui, ah ouais, d'accord. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le... D'accord, donc toi en fait, t'es pas en avance sur les autres. Non, au contraire, t'es bien en retard. Pas des meilleurs mentors. Le professeur Fig, il est bien. Il n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. Oh. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Ok. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. C'est gentil. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Oh, d'accord, ça clash fort. Aurais-tu vu cela ? Oh la méchanceté par contre. Ah ouais, vraiment, j'avoue. Révolte de Gobert. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment un... Ah, la Dobby, hein. Ouais, bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Un dragon ? une aile brisée ? Et les hasards. Qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Il y a un mystère qui a l'air intéressant là. Ouais. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. Oh. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée. Et les hasards. Okay. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer. Elle a dû vite s'en débarrasser. C'est un Horcrux. Pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. Scar. La magie qui protège. C'est vraiment un Horcrux, regarde. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Oh ! T'en quoi ? Non plus. C'est quoi ce délire ? On voit une lueur ? Mais on voit pas de lueur non plus là. Ah si, là on la voit. Ah si, si, si. On est les seuls à le voir. Waouh. Oh ! De quoi ? Comment avez-vous... Attendez. What ? Wow ! C'est quoi ce truc ? Ah what ? Ouais ! C'est quoi ça ? Il est où notre pote là, Georges machin ? Où est-il ? Il s'est mangé ! Ouais. Ouais, wow, c'est vénère. Voilà. C'est quoi? What? C'est quoi tout ça? Des dragons. Oh non. Ah non, ah non. Non, d'accord. Sautez. Sautez. Mais toi, t'as vu? Wow, mais t'as vu les chevaux là, c'est ceux que Luna voit dans Harry Potter. Ah oui, d'accord. Je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais c'est ceux en fait qui sont invités normalement. Mais je sais pas comment on les voit là, je sais pas trop. C'est une clé ? Donnez-moi la main ! Ah ouais, mais c'est... Dès le début, on n'est même pas arrivé à Poudlard, on vit déjà une situation incroyable. Voilà. C'est vraiment... c'est même plus vénère que dans Harry Potter. Hein. Ouais, on ça. Tombe dans le vide et tout, là. Wow. C'est attaqué par Harry Potter dès le début, tu sais. Enfin, par Voldemort. Par Harry Potter, ouais, bien sûr. Comment ça va ? C'est Harry Potter ! Ouais, c'est Harry Potter. J'ai appuyé sur ça. Prenez ça. Une potion Wiggledweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Apparemment, j'ai plus de vie en fait. Ah, oui, d'accord, ouais, c'est pour soigner. Et elle peut soigner.
Regarde, j'ai plus de vie en fait. Ouais, il y a maintenant j'ai toute ma vie. Voilà, c'est bon. Que c'est maintenant j'en ai plus que 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas croire qu'il... C'est qu'est-ce un qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence... Mais ils sont vraiment morts du coup. Quoi? C'est vénère. J'ai jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Attends, je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Ah, c'est un porte au loin. Ah oui, d'accord. Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Donc ça nous a TP ici. Donc il y a une raison qu'on soit ici. Ah d'accord, ok. Il y a une raison, Swan. Il y a un truc. Ouais, je sais. Je me sens bien mieux, monsieur. Ah. Explorons les alentours. Nous sommes dans l'endroit du tout. C'est ça. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? C'est le créateur du jeu pour nous apprendre à jouer avant. Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est trop stylé par contre. T'as vu? Un bâton. Non mais on dirait vraiment la vraie vie quoi, ouais, c'est vraiment trop ça, bien fait. C'est bien. Non mais bah, tourne la caméra là, c'est ça le plus important là. Il y a un magnifique paysage, je lui mets un fond sur le mur et la grotte là. Waouh, trop stylé. Comment nous a-t-il emmené plus loin de Londres que notre destination initiale? Nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines. Que le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Ah, ça c'est sûr, ouais. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Mais. Jésus n'a rien qu'il faut. Ainsi que George ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Ok, donc il faut explorer. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Ok. Si on tombe. Si on tombe. Ouais. Bah écoute, on va voir. Ah. Ok. C'est la tête mur invisible. La route vers Poudlard. Tu peux sauter? Ouais, je peux sauter. Non, mais moi je veux pas aller à Poudlard. On va des roulades. Ok. Attends, j'explore un peu la grotte aussi. Peut-être qu'il y a des trucs cachés, je sais pas, hein, des items. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, faut suivre au professeur Fig. Ce qu'on va pas faire parce qu'il est très ouf, je trouve. Tu penses qu'il a des bonnes figues? Des bonnes. Ouais. Ouais, celui-là, hein, il doit t'attendre, le deuxième. Okay, qu'est-ce que c'est que cet arrêt et qu'il fait des remèdes? C'est qui ce gars? Il a un problème, lui, il soit répéteur, là. Attends, il y a un truc là. Non, c'est un basque. Oups. Il a cassé en chaudant dedans. Je suis désolé, monsieur. T'es vachement fort. Désolé, monsieur Fig. Je vous suis, monsieur Fig. Non, au secours, il poursuit. Ça menait ici. C'est comme dans une arche de Zoan. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être stylé, par contre. Let's tremble. Ah, regarde. Je prends bâton, je vais te taper avec, tu vois. Oh là. Oula. Je crois qu'il est décédé dans le vide. Oups. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le compris. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Non. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Regarde, c'est des trucs dans les vases. Pourquoi une magie puissante avait soudain disparu dans le monde des sorciers? Elle aurait pu faire tant de bien, d'accord. Mais la magie. Donc c'est sa femme en fait, du coup, ça on n'avait pas compris. Oh, tu vas dépasser. Continue, continue. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Ouais, avec moi. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai du mal avec la caméra. Bah, je pense que c'est toi. Hein. Tu peux me passer la manette sinon? Attends, c'est un portail, c'est un portail. Attends, c'est un portail, c'est sérieux? Ah non, c'est pas un portail, c'est. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a bloqué ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Allez, let's go. En fait, j'ai acheté Burger King. C'était le jouet. Lancer de base, nouveau sort débloqué. Attends. Oh. Ça, c'est moi qui le fais. C'est moi qui attaque. Oula. Attends, faut se lever. Waouh. Ok, let's go. Ah, c'est un rayon laser, d'accord. D'accord. Ah, du coup, on peut voir c'est quelle touche. On va attaquer. C'est là. Oh, regarde, je tire dessus. Non. Le pot. Trop stylé. Oh, t'as vu la vibration comme c'est vénère. Ah, ouais. Regarde, je tire dessus. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ah.
Merci monsieur. Merci monsieur. Franchement, merci de m'avoir donné cette baguette. Merci de m'avoir donné ce pistolet, enfin cette baguette. Merci monsieur. Piou piou. Merci de m'avoir donné ce blaster. Bon, arrête de tirer partout là, c'est bon là, sérieux. Mais c'est une baguette, il y a une Harry là. Salut. Et une mission limitée. Ah, cinématique. Ouais, cinématique. Ah, on est bien, on va bientôt rencontrer les ennemis. Enfin, tu valides ton perso du coup. Franchement, il est stylé hein. Réparo. Réparo. Ah oui, d'accord. C'est pas Oculus, Réparo. Je crois, mais bon. C'est un raccourci. Quand on est trop fort, on peut faire des raccourcis. Ouais, c'est ça. C'est... On peut aussi dire avoir pour Avada. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais dire oula, non, mon père. Attention, je me rends plus ma baguette. Bon, allez, c'est bon là. Sérieux. Nous y sommes presque. Ah, ok. Ouais, c'est pour ça que je vais dépasser. C'est une course. Oh, là, ça sent le boss. Là. Et les bases sont cassées. Henri Potter. Attends, mais je casse pas un truc à l'histoire. Mais vraiment, j'ai un pistolet quoi. Tu es un sorcier, Soiry. Tu es un soldat. Apparemment, Soiry. Quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-voix nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Quoi, je peux plus. Comment ça s'appelle, j'ai les bonbons. Ah, c'est voilà, il y a des dragées sonnent dans les vases. Ah, le bon goût de la trahison. Ça c'est pour inspecter. Ah non, examiner. C'est une sorte de gravure murale. Oh non, ils ont fait ces vases avec Twerker. Hein. Intéressant. Ça, c'est un piège. Bon, c'est bon, on l'arrête. Attends, peut-être que je dois grimper. Ah non, non, attends, il faut pas que j'aille. Faut trouver un autre passage. Ouais, ça doit être ça. Attends. C'est vrai que j'ai un peu mal avec la caméra. Là, il y a une statue. Ouais, c'est quoi ce truc? Ah, regarde, on peut interagir. Examiner. Professeur, cette statue. Je vais sans doute vivre ici. On m'a bien répondu. Ah, Yoshimaya. Ouais, on part sans professeur. Je suis sûr qu'il est parti déjà, lui. C'est super rapide. On parie qu'il est là déjà, le professeur. Je pense pas, non. S'il est là. Non, non, c'est pas. Ah, par contre. Pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'il a bien bloqué en fait. Un nouveau sort, Ah, peut-être, Ça Professeur Fig. Professeur Fig, j'ai besoin de fruits là. C'est quoi ça? Oh, t'as vu, c'est une chambre secrète, faut faire un sort, regarde. Où ça? Bah, c'est un mur en fait, je sais pas si c'est un mur ou un miroir. Je pense que c'est un. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Mais et tu vois, y a-t-il une pièce derrière? Bah voilà, il était derrière du coup, j'ai raison. Ah oui. Quelle pièce? Ah d'accord, donc je pense qu'on a vraiment... On a vraiment un don en fait, notre perso a vraiment un pouvoir. Oh, attends. Il y avait un truc qui touche. Examinez. Oh, on touche. Sario, par Merlin. Par la barbe de Merlin. Oh, il y a une carte là-dedans. Par Godric. Où sommes-nous? Oh, on a changé de salle. On s'est déporté. Oh, c'est un porte au loin. Ouais, peut-être. Tout est à porte au loin. Bah non, mais c'est vrai, hein, tous les trucs qu'il observe, c'est. On est dans la salle du coup en question. Ah, mais on est à la banque. On est à la banque, regarde, faut réveiller Gobelin. Ah, c'est Gringotts. Ouais, c'est Gringotts. Ah oui, j'avoue. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Qui est. Eh oh, il y a quelqu'un. Ouais, sors. C'est un banquier Gobelin. Oh, c'était Gringotts là-bas, je comprends pas. Ah, oh, c'est stylé. Ouais, c'est Swan. C'est impossible. Voici ma réserve secrète d'argent. Un petit instant. Que c'est un ennemi, non? C'est un gobelin. Voyons. Non. Bah, ils sont pas gentils, ils sont pas agréables. Mais après, ils font ce que tu veux, quoi. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Ah, on va récupérer de l'argent, sympa. Pour moi. Avec la pierre philosophale. Ok. La quoi? De votre femme. Oh, oui, bien sûr. Ouais ou pas? Ah, d'accord.
Attends, je peux pas tout le monde. Ah, d'accord. Du coup, on avait besoin d'argent. Suivez-moi. Ouais. Suivez-moi. Je n'ai plus d'argent. C'est l'heure de faire la classe. C'est pour ça. Si je suis pauvre. Attends, vas-y, faut récupérer toutes les pièces, là. Ça, il a des rêves de jeu sombre. Faut y aller toutes les pièces là, attends. Parce que si on récupère pas toutes les pièces, on a pas l'argent. Ouais, c'est ça. Attends, je suis aux poutres. Si vous ne voulez pas les perdre. Non, c'est pas drôle, gobelin. Désolé. Alors, attends. Attends, je peux tirer. Tu peux vraiment tirer? Non. Non, mais arrête de cacher le mur. Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Trop stylé. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Tu peux tourner le wagon ou quoi? Très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. Ok, c'est une attraction en fait. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de D'accord. La cascade des voleurs vous est déjà familière. Ok. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. D'accord, c'est un coffre spécial. Nous avons du chemin à parcourir. Ah, encore? Ah ouais, d'accord. Sacré trajet là, d'accord, ok. Petite ellipse. Ça y est, on y est. En tout cas, l'univers est bien remis en place, je pense. Quand est-ce que je vais pouvoir choisir avec ma baguette? Arrête. Numéro du coffre. Oh, il a l'air tellement gentil coffre et aimable. Quelle journée. Même lui. Même lui qui était désagréable, là, il est intimidé par ce gobelin. Bon, ouais. Allez-y. Je pense que c'est lui qui m'a griffé. D'ailleurs, parce que j'ai toujours une griffe ici, moi. Oh, bien sûr, oui. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Okay. Nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent, nous. Suspect tout ça, hein? Ouais. Bah, je te dis, il gouverne ses ennemis. Voilà. Ouais, j'avoue. Ça y est, on y est. Wow, est-ce qu'il y a Let's go. Ok, on va voir. Nous y sommes. Non, c'est pas cette musique, ça, désolé. Ah, c'est presque. C'est presque les mêmes autres aussi. Ce coffre pour la dernière fois. Cela fait plusieurs centaines d'années. Ah ouais. Il est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais vu mon coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oh, attends, il y a un truc à examiner ici. Du vide. Oh non. Je vais examiner le vide. Alors, attends. J'ai curieux de voir, en vrai. Je sais pas ce qu'il va y avoir. La pierre philosophale. Non, je pense qu'il y aura. Merci pour votre aide. Ah, il y aura aussi des objets qui peuvent se multiplier, tu te rappelles? Comme il y a eu. Ah, peut-être, tu penses. Tu te rappelles de cette scène? Je sais plus quel coffre forcé, mais il y avait Bellatrix Lestrange à ce moment-là. Donc, c'était son coffre. Je peux pas examiner. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi. Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Bon. Mais... C'est quoi ce délire? Attends. Voilà, il reste enfermé à vie. Bonne chance. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Mais c'est quoi ce... C'est quoi cette porte? Réfléchissons. Oh. T'as quoi? Les murs se voient. C'est quoi ce délire? Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez. Alors... Non. Oh, ah d'accord, ok, j'ai compris. Je bouge le joystick. Oh. Ok. D'accord, c'est une course. Contre un ça c'est super intéressant du coup, parce que...
C'est comme dans Street Fighter, tu vois, il y a vraiment des moves pour faire chaque mouvement de. Réveillon. Tu vois, regarde, il y a vraiment des mouvements de baguette à faire. Approchez-vous un peu et réessayez. Trop bien. Oh, trop stylé, ok. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur, ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Arrête là. Si le symbole que vous voyez révèle la voie, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Il coupe la parole. Je vous en prie. Ok, il serait pas honte. Est-ce que c'est le délire des soirées, vous êtes fous? Ça fait penser à Samus... enfin, Metroid. Ah, Lumos. Lumos Maxima. Non, juste Lumos. Il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? Une sorte d'épreuve dans la banque? Mais dans une banque, il faut qu'il y ait. Sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Lumos Maxima. Rebellio. Sport. Hop là, hop, 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 petit sport là déjà. Ah attends, je pousse. Je vois quelque chose au loin. Aïe, qu'est-ce que c'est mal de me pousser? Toujours cette lueur, mais par terre. Oh, que s'est-il passé? C'est quoi ça? Y a quelqu'un? Parce que j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Mais c'est quoi ce délire? Oui, monsieur, je vais bien. Non, j'ai vu un peu trop... Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Bah oui, il y a quelqu'un littéralement, là. Statue. Ouais. Une statue. Quelle statue? Ah, oh, mais... Ah, il voit rien, lui, hein. Je vois une sorte de statue, mais... Réveillon, réveillon. Sur le sol. Réveillon. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet aussi. En effet. T'as un pouvoir, toi, en fait. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ah. Lumos. Attends. Oh, nouveau sort, Swan. Et tu l'as fait comment, sur les sorts, je comprends pas. En gros, j'appuie sur X au bon moment pour booster mon perso, ce qui est un truc qui essaie de me tuer après, en fait. Ouais, mais ensuite, après. Après, bah c'est tout. Bah tu boostes de joystick. Oui, je bouge aussi. Ok. Ah, ok, voilà, regarde, ouais. Ok. Lumos. D'accord. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Oh. Stylé. Mais par et contre, tout ça dans la bombe. Ça, c'est un ennemi. Ça, c'est un ennemi. Non, non, ça, je pense que c'est très gentil. Qu'est-ce que quoi? Mais c'est dans la bombe de Grimoire. Quoi? C'est quoi ce sort? Ah, mais ça rigole zéro là. C'est quoi ce sort? Sendo. Oh, ouais. Quoi, tu sais, sort? Attends. Sort de base! Attends. Expulso! Ouais, ça va. En gros. Utilise Protégeo. Ça, vas-y, utilise Protégeo pour voir. Vas-y, vas-y. Ah, c'est synchro. Pourquoi tu m'as désutilisé maintenant? Bah, non, faut être synchro quoi. Protégeo. Soirée, non! Mais ça va, le professeur, il m'aide. Oh, bah voilà, là, tu l'as bien fait. Par contre, tu m'aides pas trop à la professeur. Mais tu tires sur le professeur aussi, comment tu veux qu'il t'aide là? Allez, sois répéteur. Ça va, c'est ses derniers et l'autre professeur va se charger. C'est bon, ouais, on les a tués. Bien joué. Tout ça grâce à moi. T'as rien fait avec ta baguette. Ne vous éloignez pas. Baguette oui. Moi aussi. Ma vie remonte. C'est cool. Regarde, ma vie. Il est disparu. Ouais. Trouvez Professeur Fig. Ok. Attends, j'ai mes lunettes, moi. Je vois rien, mec. Attends. Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. T'es les lumières, là? Mais oui, mais il me dit c'est là-bas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ok, faut suivre ici. Une trace de magie semble vouloir me guider. Non, par contre, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe, là? Je pensais qu'on allait à la Poudlard, moi, tranquille et tout, là. Mais non. Ouais. Encore une bataille. Il a attendu la journée, là. C'est quoi ce délire? Toujours ça. On voit de salle en salle, super sombre là, c'est stylé hein, mais je comprends pas ce qui se passe. Oh non, encore le même. Attends, ah non, désolé. Ok. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Oh non. Je vais devoir me débrouiller. Oh attends, il y a un coffre.
fouillé. J'ai trouvé 44 d'or. Lumos. Ah, t'as eu de l'or ? Oui, il est dehors. 44 dragées. C'est la Master Sword dans le coffre ? Non. Tu les rends vivants ? Pour qu'ils t'attaquent. Je comprends la stratégie. Avec leur reflet. Ah, j'ai tous les aignés. Ah oui, vous regardez. Debout, levez-vous. Ok, alors, donc je suis en premier. Il y a un ordre. Ah mais non, on est débile. Tu es débile. Peut-être que je dois toutes les faire se lever en même temps. Oui, mais comment on fait ça en fait, soirée? Lumos Maxima. Attends, oui, bah, j'ai compris. Ah d'accord, ok, je crois avoir compris. En gros, il faut que je me mette ici. Voilà, ah, oui, ok, il faut un point en fait. Par contre, bah, il va y avoir une bataille. Le premier truc d'énigme un peu, là on bloque direct. C'est parti. Ah non, oh. Tu te fais un test slash là, à la One Piece. Par contre, qu'est-ce qu'ils font là, ces chevaliers? C'est Avada. J'aimerais bien. Mais j'ai pas ce sort encore, c'est pour le niveau 10. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas maintenant, le sort de protégeo. D'accord, ok. Bon, ça va, ouais. Oh, on a encore. Il y en a pas un qui a spawn derrière moi. Ouais, si, plier. T'as pas d'autre sort d'attaque que celui-là? T'en avais un autre, je crois. Non, ah, mais je trouvais touche. Ouh, il s'est pris un slash. Par contre, t'es très résistant, hein. Mais wow! Attends, mais c'est quelle touche pour. Vas-y, Soiri! Oui! Faut le tuer, Soiri! Slash! Oh! Ouais. Rapide, là, le swan, hein. Slash! Vas-y. J'ai crashé, c'était pas très appétissant. J'en ai combien? Attention, Soiri Peter! Alors j'ai l'impression que ça me dit quand je dois me protéger. Oui, voilà, c'est ça. Ça me dit quand je dois me protéger. Lumos. C'est pas ça! Ah non, ça va marcher, Lumos! Ça fait des dégâts pour toi, non? Stupéfix. Ah voilà, t'avais. Fais stupéfix. Attends, je te parle. Oh, t'as un gars là, on voit pas ta vie. Ah si, on voit ta vie, que t'as plus de vie. Oui, je suis à deux! Encore une golden et t'es mort. Stupéfix. Fais gaffe à l'autre à droite. T'inquiète, j'ai un truc en plus qui me dit quand je vais attaquer. Tu l'as. Enfin, quand je vais. Ah ouais, d'accord. C'est bon, allez, attire l'avenir, le fun. Comment je lis mon truc de. Mais. Vous me dites de. Me dites de continuer, mais moi je peux pas continuer. Oh. Oui, bah c'est bon. Oui, là, regarde, je cours. Oh, c'est quoi ça? Comment tu es où, professeur? Je pense qu'il s'est fait tuer en vrai. Capturé par les rochers. Mais j'avoue, on a perdu le professeur, on est dans le noir là, il n'y a plus rien, on est perdu, je comprends pas. Hein. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le délire là? Ouais, c'est une porte. Ah, c'est une porte pour revenir à la banque? Non mais. On se dépique d'endroit en endroit là, je capte pas ce qui se passe, hein, vraiment. Hein. C'est cool hein, mais. Waouh! Wow. Je pensais pas que ça partirait aussi loin là. What? Non, ça c'est un œuf à 500$, hein. je peux pas le donner. J'examine encore. C'est la pancine. Par contre, c'est quoi ce coffre en fait? Il n'y a rien dedans, il y a juste des ennemis. C'est la pancine peut-être? Bah, c'est une potion. Comme il est stylé, en fait, le flashback de la pancine. C'est incroyable ce flashback, t'en rappelles? Non. Je savais que t'allais dire ça. Faut que tu regardes. Ah, t'es là! Regarde les répéteurs. Comment vous échappez à mes chevaliers? J'étais en train de manger des figues. Je t'ai retrouvé. Je ne sais pas. J'ai froid, Soiri. Mais c'est lui qui nous a envoyé chevalier et dit. Mais comment vous avez pu survivre? Ce n'est pas un. Je suis le méchant de cette histoire. C'est une pancine. Ah, c'est une pancine, j'avais raison. On peut voir les souvenirs. Donc, vous voyez les souvenirs. On peut voir tes souvenirs pour voir si t'es allé avec Voldemort. Voldemort qui n'était. Ah, si, il était né à cette époque-là. Mais. Je sais pas en fait. Je pense que. Oh d'accord, il y avait des souvenirs qui étaient là qu'on devait regarder en fait. D'accord. On va voir un flashback. Oui, c'est moi. Ok, let's go. Il met du coup sa tête. Et hop là, let's go.
flashback. Intéressant ça, hein. Cool la pancine comme ça. Wow. Ok. On suit cette nouvelle maison. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. D'accord. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir. On va avoir des dingueries là, on va avoir plein de pouvoirs. En fait, tout ce qu'on a fait ici, c'était un secret que ce gars cache en fait. Ouais, voilà, genre les chevaliers qui vont me tuer. C'est ça. Et du coup, là, c'est le souvenir qu'il nous a mis pour qu'on comprenne. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur. Donc en fait, on voit la magie ancienne, on voit l'ancienne magie. D'accord. C'est fascinant. Est-ce ça me rappelle un truc que j'en de la magie. Mais je m'en rappelle pas. Des traces d'une magie ancienne, voilà. Pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Ouais. Myriam et peut-être Georges sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. C'est qui donc? Je ne sais pas, mais... ça, c'est des méchants gobelins. Mais oui. Vous ne devriez pas être ici. Mais c'est lui, chef des gobelins méchants. Ah oui. Ranrock. J'avais dit que les gobelins c'était des méchants, je t'avais dit. Ma réputation me précède. Et en quoi ils sont forts en fait? Que personne n'irait. Genre de base. Percival Rackham. Que faites-vous ici, Avada? Non, bon, je comprends pas pourquoi ils sont forts. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé et nous pourrons faire table rase du passé. On a une baguette magique. Oui. Monsieur, faites à quoi? Ils avaient la clé du coffre. J'ai une armure et une voix super stylée. Pesez bien vos prochaines paroles. Oula, ouais, d'accord. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. C'est pour ça que t'as pas autorisé. Ah ouais, d'accord. Quoi? Je n'ai aucune patience. Il y a une baguette dans sa main. En fait, il met de la magie comme ça tout court. Où en est-il? Je ne vous donnerai rien du tout. D'accord. Voilà, ça shoot. Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Oui, en fait, un tiers de ma taille. Oh, let's go. Oh, il a... mais attends, il a l'air méga fort. C'est quoi, c'est quoi ce gobelin? Mais quoi? Il est super puissant. What? Oh. What? Oh d'accord, c'est, ah, c'est le gardien. Ah ouais, d'accord. Ok, il va se faire éclater là. Wow, ok. Est-ce qu'il y a par contre du gardien? Ouais. C'est pas celui-là qu'on a affronté, hein? Non. Non, on a affronté des petits gardiens. Ouais, oh, il se débrouille quand même, hein? Non, mais c'est lui qui se fait éclater. Bah ouais, j'avoue. Mais il est nul! Il est nul! Attention, je frappe! C'est pas ça. Mais gros défi de... Oh! Non, il n'y a pas une chute. Oh. Ouais. Oh, ok. Oh. Doucement. Oh. On est où là? Aucune idée. Vous allez bien? Non. Ça va? Non, pas du tout. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Bah ouais! Il semblait. Totalement immunisé contre la magie. Trop cheat là. Non, ils ont acheté le base de combat. Ils ont des effets de potions Minecraft, hein. Ouais. Mais ils ont acheté le base de combat, c'est sûr. Ah, vraiment. C'est impossible. Attends, il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don
arrive jusqu'ici. Ouais, ça c'est si, il y a la musique, ouais. La série. Je pense qu'elle est un peu remixée. Attends. Sûrement. Trop stylé. Oh, il est... oh, on va rencontrer Aragog. Ok. C'est bon, on est à Poudlard. Ah bah oui, ça y est, let's go. Merci créateur du jeu de nous avoir mis sur la bonne étude. Bah, viens, on est à Poudlard. Ça commence après 50 minutes de gameplay. C'est pas une blague. Bon, Pokémon Écarlate faisait moins bien. Donc c'est quand même... Oh là là, la scène du fou. Regarde-moi ça. Waouh. Trop stylé. Non, vraiment trop bien. Non, mais en vrai, la 50 minutes est nécessaire pour nous mettre dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Poudlard Legacy, l'héritage. Oh. On va voir cette Poudlard. Je suis trop fort. Trop stylé. Trop stylé. Trop impatient de tester là, let's go! Bon, pour l'instant, le jeu c'est incroyable, il n'y a rien à dire ouais, de. Franchement, pour l'instant, il est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, oh, tout c'est, est parfait c'est, pour l'instant. C'est trop tard. Bravo! Il n'y a rien de négatif, il n'y a aucun défaut. Pour, pour l'instant, pour moi, le jeu c'est un 10 sur 10 largement. Ouais, fait. Franchement. Les graphismes sont magnifiques, le gameplay a l'air vraiment sympa, les énigmes et tout, l'histoire, ça a l'air juste trop trop cool pour l'instant. Ouais. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Ah oui, on va pouvoir choisir l'école! Oui! Oh, ça, je veux choisir. Poussoufle, Serdaigle, Gryffondor, non, c'est un fantôme. Plus approprié. Ah, d'accord. Je vais devoir examiner ce médaillon. On se met où? Mais il faut d'abord qu'on. On va choisir. Attends, c'est pas fini. Regarde, c'est là Poussoufle. Et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette merci cérémonie. Bon. Ok. Le chapeau pousse. Ça y est, le chapeau. Direct. Mais du coup, vu qu'on a un an de plus, nous, ça fait un peu bizarre. Ouais. Ah, faut passer le chapeau, le chapeau un peu plus haut. Ah. Oh, ils ont des chupa-chups. Phineas Nigellus Black. Quoi? Préparez-vous à rencontrer... Attends, quoi? L'ancien directeur, c'est un membre de la famille de Sirius Black? Attends, quoi? Fig. Merci de vous joindre. Oh, c'est un ancêtre de Sirius Black en fait. Ah bah il a un immense arbre généalogique. Ah oui, ouais. Donc en fait, d'accord, donc Sirius Black avait un directeur de Poudlard dans sa famille. C'est une dinguerie. Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins. Ok, pas bien, par contre. La patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. C'est pas Dumbledore, hein. Non, du tout. Oh, il est froid, lui. Oh ouais, il est énervant, lui, hein. Ah, c'est pas Dumbledore, hein, j'avoue, hein. Ouais. Si, il est déjà un peu plus gentil quand même. Hein. Ouais, même s'il est très 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 bizarre. Ah, voilà. Bon, en vrai, c'est un peu sombre, mais vas-y, ça rend ouais bien quand même. Tu vois, c'est quand même la fête du... Voilà. Allez, on a c'est faim, alors. J'espère qu'ils ont bien qualifié. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Ok, c'est une grande vérité. Let's go. Oh, ce moment-là... Attends, chapeau, il est où? Ah oui, ah, c'est chapeau. Il est là. Le chapeau. Le chapeau, oh. Le chapeau est tombé. Oh, ça y est. Attends. Le chapeau. Arrive à nous dire où. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les oui autres. Mais attends, est-ce qu'il va nous choisir aléatoirement ou c'est nous qui choisissons? Certaines attentes en venant ici. Des préférences. Mais ça va être aléatoire du coup. Des préjugés. J'avoue, ça va être aléatoire, Swan. J'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. D'accord, donc en fait, soit j'ai hâte d'explorer. Explorer Poudlard. Attends, ce qu'on va dire là, du coup, ça va choisir notre école. Ouais, c'est ça. En effet. Oh, t'as pas réfléchi là. Les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Oh, mais c'est bon, j'ai déjà. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Ok, on est spécial, une nous, dans l'idée. Une sorte de... Qu'est-ce donc? Oh, il est toujours comme ça, je crois. De l'audace. Attends, appuie pas. Curiosité. Sonne, du coup. Donc ça, là, ça correspond aux maisons. Hein. Ça va choisir les maisons. Alors, attends, je réfléchis. De l'audace. De la loyauté. Dans l'idée, loyauté, c'est pour moi, c'est Gryffondor. On tire sur les professeurs. Non mais Swan, je te parle des cours. Ah oui. Parle ouais, pas de si on y va ou pas là. Swan, c'est le moment le plus important du jeu, tu vas faire non, en une mini seconde. L'ambition c'est Gryffondor. Faut se calmer là, on n'est pas sur Street Fighter de Turbo. Ouais. L'ambition c'est Gryffondor. L'audace c'est Serdaigle. Alors attends.
Loyauté. Pour moi, non, c'est ambition, c'est Serpentard. Tu me laisses parler. Ouais. Pour moi, loyauté, c'est Gryffondor, c'est la gentillesse, tout ça. Ouais. Audace, non, mais... c'est oser, tu vois. Donc pour moi, c'est peut-être Serpentard. Moi, je peux. Ah non, curiosité, c'est Serpentard. Tu vois, c'est un peu, tu fouines là où tu devrais pas être. Ouais. Audace, vas-y, Serre d'Aigle, l'ambition pousse souffle, quoi. Voilà, c'est. Ouais, loyauté. Bon. Toi, tu mets quoi? Loyauté. Ouais, loyauté. T'es vraiment loyal? Non! Mais fun, faut être dans du RP là. Mais ton rôle qui correspond au jeu là. Comment tu es dans le jeu là? Est-ce que tu es curieux, t'es audacieux, t'es loyal, t'as de l'ambition? Vas-y. En vrai, j'ai de l'ambition. Perso. De l'ambition, ok. Pouce souffle. On dirait que je n'ai qu'une seule idée en tête. Mais il faut persévérer dans la vie pour réussir. Intéressant. Si on a pouce souffle. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard. Attends, quoi? Ouais, je t'avais dit ambition de Serpentard. Arrête. Il y a maison de Serpentard. Choisis une autre maison. Attends. Soit on accepte, soit on choisit une autre maison. Attends, le choix pot magique tiendra compte de votre choix au moment de vous accepter une maison. La maison celle pour la rue, son ambition et la soif de pouvoir de ses élèves. Serpentard. Tu choisis Serpentard, toi, direct. Ouais. Sérieux? Vas-y, on choisit Serpentard. Bon, après, c'est parti. En vrai, on va être dans le RP, on va pas choisir à chaque fois la maison. Vu qu'il nous a choisi pour du Serpentard, on prend Serpentard. Serpentard. En vrai, on va dans du RP. Vas-y. Ouais. Tu vois, c'est santé. Serpentard. Ok. Serpentard. Ok, bah, let's go. Je vais tuer tout le monde. Ah ouais, nous, c'est. En vrai, on est vénère quand même, tu vois, on est Serpentard quand même. Hein. C'est, ouais, pas, ouais. C'est pas rien. Hein. Oh, stylé. Bah en vrai je préfère ça que de pouce souffle et Serre d'Aigle. Bah Serre d'Aigle j'aime bien mais... parce qu'il faut rien d'intéressant tu vois. Bah Serre d'Aigle c'est un peu près bien mais pouce souffle c'est pire. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Non, non. Quel crotin. Ça c'est silence. Ce que j'ai dit. Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Nous n'avions pas le budget de faire ça, donc on l'a annulé pour cette année. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. J'ai peur, avant justement. Demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. J'ai dit, Gryffondor en tête du classement. Oui. Bon, ok. Ouais, bon, il n'est pas grave le classement. Je suis content. Une arrivée en fanfare. Ah, c'est vrai, professeur. Ravi de vous rencontrer. Ah oui, d'accord. Je suis professeur Weasley. Pourriez-vous accompagner notre... C'est bizarre d'entendre professeur Weasley parce que je voilà. Occupe, monsieur. Ah, c'est ouf. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je me suis à McGonagall. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle. Ça va être trop bien. Ouais, on va aller dans les chambres et tout là. On y va. Oh, let's go! Le chapeau, hein. J'attends ce moment de jeu depuis trop longtemps là. Ouais, ça va. On va monter les escaliers et tout aussi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Bah non, j'apprends à Vada et c'est bon. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Mais Serpentard, non, ouais. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. En plus, Serpentard, hein, aspiration. C'est. Aspiration. D'accord, ça c'est trop intéressant parce que c'était quoi déjà chez Gryffondor le mot de passe? Je sais pas. J'aurais plus ce que c'était, mais c'était avec la grosse dame. Waouh, trop stylé. Mais ça vois, fait tellement penser aux méchants ça. Dans les autres écoles, y a pas ça. Mais en fait, dans les autres films, ils montraient que Gryffondor, tu vois, on n'avait pas Poussouf ni Serpentard et tout. Donc là, ils le montrent, c'est trop cool, on est trop contents. Une journée bien chargée, vous attendez. Je commence déjà à être possédé. La matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. C'est ça la grosse dame, nous. Ah, c'est j'espère pas pareil, hein. Vous passerez une bonne première nuit. J'ai un chignon, mon premier plan. Il a un chignon. Ah, dommage, ils sont pas. Non, ils ont pas montré dortoir. Ils n'ont pas assez de dortoir de ça, on sait pas. Après, peut-être que ça va le faire après. Peut-être qu'ils vont le montrer après. Mais c'est vrai que là, on est pas trop, y a pas non plus les autres élèves. Ah, si, voilà, y a les dortoirs. Tu peux, oh, pardon, tu vibres. Tout le monde est déjà. T'as un téléphone dans ton corps, là. On va rejoindre la salle commune. Attends. Mais il y a des gens qui dorment. Calme-toi. Calme-toi. Il y a des gens qui dorment autour de toi? Je crois pas. Attends, regarde les lits. Attends. Non, il y a personne. Il y a personne, je t'ai dit. Ils sont tous déjà partis. On est en retard. Bon, Swan, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Ouais, sûrement. Alors, Swan.
Qu'est-ce que t'en penses de ce jeu pour l'instant? Alors, il est trop bien, franchement. Franchement, trop cool. Rien que la chambre, t'as vu comme elle est belle la chambre Serpentard ouais, là. Franchement, le jeu c'est une dinguerie pour l'instant. Les graphismes sont magnifiques, le mode de jeu est vraiment cool. On est vraiment imprégné dedans. Là, pour l'instant, Hogwarts Legacy c'est un 10 sur 10 pour moi. Pour l'instant, pas trop, mais moi, 10 sur 10. Moi, c'est 10 sur 10. On a choisi Serpentard. C'est ça. Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'intro du jeu est un peu longue, mais bon. Bah, comme dans tous les jeux récents, et c'est une bonne intro. Ouais, c'est un très gros jeu, donc forcément, l'intro doit être longue et tout. Donc, ouais, et puis c'est une bonne intro. Dit Swan est vrai, parce que par exemple, pour One Piece qu'on avait testé récemment, l'intro était très longue et pas ouf. Pour pas grand chose, quoi. Longue pour pas grand chose. Alors que là, ça nous met bien dans l'histoire, on est bien dans l'ambiance, on connaît un peu ce qui se passe, tout ça. On comprend un peu notre objectif quoi. Pour l'instant c'est un kiff, je suis trop impatient de voir la suite les amis, on va évidemment faire une partie 2. En vrai la suite sur Soi et Neo, on verra après pour Sun Gaming, on verra plus tard, mais vas-y, moi je veux une suite pour Soi et Neo là. Les amis, en tout cas si la vidéo vous a plu, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Et les potes, plein de gros bisous et on se retrouve pour la partie 2. Allez, salut. Bisous Serpentard.